Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Toujours avec les troisième AP, projet 3, séquence 3. Alors aujourd'hui, on va faire deux phonèmes, le phonème oui et le phonème oui avec O-U-I. Alors, ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même écriture. On a ici oui avec U-I et ici oui avec O-U-I. Très bien. Alors, on va dire passer directement à la leçon que j'ai préparée. Lecture et écriture des phonèmes oui et oui. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé quelques mots avec oui, ui. On a une tuile, un fruit, une cuillère, un puits. Alors ici, on a le phonème oui avec ui. Des mots avec oui, avec oui. On a Louisa, un nom propre. On a oui. Mouiller, c'est le verbe mouiller, c'est un verbe de premier groupe. On a douille, la douille. Alors, on va passer à l'écriture cursive, c'est l'écriture de cahier. Je commence par l'écriture majuscule et après on va passer à l'écriture minuscule. UI, alors majuscule, je commence par U majuscule entre 0 et 3 et I minuscule c'est 0,1. Oui majuscule, je commence par le O majuscule 0,3. U minuscule c'est 0,1 et la lettre I minuscule c'est 0,1. Alors toujours majuscule, je commence par la première lettre majuscule et le reste toujours c'est minuscule. Al-Hafl Awal majuscule et Walbaqi min al-Ahraf ou le reste des lettres c'est toujours minuscule. L'écriture minuscule, je commence par minuscule, on a U minuscule 0,1, I minuscule 0,1. La même chose pour oui, OUI, on a O minuscule 0,1. U minuscule 0,1 et la lettre I minuscule 0,1. Très bien. Alors, on va passer au livre ou bien au manuel. On a un dialogue entre la maman et son petit enfant. Où es-tu? Je suis dans la salle de bain. Alors, regardez le mot suis. Ah non, je suis. Suis, il contient oui. UI. UI. Il contient le phonème oui. Alors, si j'ajoute oui avec quelques lettres et on va voir la prononciation. Oui avec N, nuit. Avec T, tui, avec D, dui, avec L, louis, avec R, rui, avec P, puis, avec B, bui, et avec F, fui. Donc toujours si j'ajoute quelques lettres avec oui, ui, ou bien oui, oui, ils ont la même prononciation, même avec oui. Alors on va passer directement sur le cahier d'activité. Voilà pour les troisième AP à la page 64. Alors, je colorie le dessin quand j'entends oui. Alors, j'entends oui. Je ne parle pas de l'écriture, mais quand j'entends. Alors, parapluie, oui. 8, oui. Avion, non. 18, oui. Camion, non. Puits, oui. Kiwi, oui. Piano, non. Biscuit, oui. J'entoure la syllabe quand j'entends oui. J'entoure, je mets un cercle, comme ça. Alors, un biscuit, alors j'entoure, oui. On a oui ici, UI. Un parapluie, on a oui, UI. La pluie, on a oui, UI. Et la cuillère, on a oui, UI. Très bien. Alors, j'entoure oui, puis je lis les mots. On a oui, UI. NI, ni, non. Oui. Mi, non. Oui. I, non. Oui. Puis. Donc c'est oui. Puis on a oui. J'entoure. On a ici oui. Lui, on a oui. Ui. Nuit, on a oui. Ui. Et nu, non. Alors ici, on a des mots avec oui. Une tuile, on a oui. Ui. Puis, on a ui. Louisa, on a ui. Les fruits, on a UI et 8, on a UI. Alors, numéro 8, voilà, 8, donc c'est ça, 8. Alors, si on a l'écriture entre les lignes et les interlignes, on a oui avec UI, écriture minuscule. Alors, on commence par le U et après, on ajoute la lettre I, oui. Alors, 0,1, 0,1. Un puits, alors 1 minuscule, c'est U1. Voilà. Et puis, la lettre P, elle a un pied, elle descend deux interlignes en bas. Et j'ajoute la lettre U, la lettre I et la lettre T, c'est entre 0 et 2. Un puits. Voilà le puits.
un puits. Alors, on a ici oui avec ui minuscule 01. Un puits, on a commencé par minuscule u01 101. La lettre P, la première partie 01, le pied 02, u01, i01. Et la lettre T, c'est entre 0 et 2. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a fait les deux phonèmes, oui et oui. Oui, ui et oui, oui. Alors, ils ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même écriture. Et on a fait l'écriture des deux phonèmes. Écriture majuscule entre les lignes et les interlignes et l'écriture minuscule entre les lignes et les interlignes. Alors, on a fait les deux phonèmes, oui et oui, avec UI et OUU, plus quelques exercices sur le cahier d'activité. Et on a fait aussi l'écriture entre les lignes et les interlignes, c'est l'écriture minuscule, oui et un puits. Alors, merci et au revoir.